a eu beaucoup d'encouragement de la part de nos confrères journalistes qui ont estimé que c'était un acte courageux et surtout ça permettrait aux uns aux autres de comprendre que c'est une affaire qu'on ne doit pas oublier parce que la disparition d'un journaliste ne doit pas être oubliée et ne doit pas rester sans suite. Durant la crise ivoirienne, on a perdu 4 journalistes en Côte d'Ivoire. Le premier journaliste, c'est Claude Gonzoué, qui était le correspondant de l'Agence ivoirienne des presses, un organe d'État. Après lui, on a eu le cas de Jean Hélène, le correspondant de Radio France Internationale, qui a été assassiné devant la direction générale de la police ivoirienne. Et en novembre 2004, c'était Antoine Massé, le correspondant du Courrier d'Abidjan. Ensuite, il y a Guy-André Kiffer qui est le quatrième. Pour l'instant, lui, on parle de disparition parce qu'on n'a pas encore retrouvé son corps. Vous avez les journaux qui présentent Guy-André Kiffer comme un espion, comme un agent de la France, comme quelqu'un qui n'était plus journaliste et qu'il mériterait ce qui lui est arrivé. Et il y a une autre partie de la presse qui œuvre pour qu'on sache la vérité, pour que vraiment cela ne se reproduise plus. Pour nous, il ne s'agit pas de trouver un coupable désigné. Il faut qu'on sache ce qui est arrivé à Guy-André Kiffer. Et dans ce combat, on n'est pas seul. On a par exemple l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui est l'un des mouvements puissants ici, qui nous soutient. Ensuite, il y a le syndicat national de la presse privée qui nous soutient, qui nous apporte un soutien moral. On a aussi le CNP, le Conseil national de la presse, qui nous soutient. La naissance du collectif, l'idée, elle n'est pas de moi ni de mes amis. Elle nous a été suggérée par un grand frère, un aîné qui est journaliste et en plus chef de service d'un organe proche du Front populaire ivoirien, c'est-à-dire les partis qui est actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, vous devez comprendre, ça permet de comprendre que c'est une cause qui concerne toute une corporation. Et je me réjouis parce que le directeur général de la police a annoncé qu'il mettra tout en œuvre pour la protection des journalistes. Ça, je pense que c'est une avancée. Et quand il dit la protection des journalistes, il ne fait pas de distinction. Il ne dit pas les journalistes de tel ou tel bord. Il dit la protection des journalistes. On a le net sentiment que la France, qui a des relations difficiles avec la Côte d'Ivoire, ne veut pas trop appuyer au risque de créer encore une nouvelle crise. C'est-à-dire on s'achemine vers l'amélioration des rapports franco-ivoiriens qui étaient tendus, très tendus ces dernières années. Donc je pense que ils affichent de la prudence. Mais pour nous, il faut aller au-delà de la prudence parce que ce n'est pas un dossier sur lequel il faut fignoler. C'est la disparition d'un journaliste. Et un journaliste, c'est vrai, n'est pas au-dessus de la loi ou des lois, mais un journaliste, c'est pas n'importe qui. Quand il disparaît, quand quelque chose lui arrive, il faut qu'on détermine les causes, il faut qu'on sache qui a fait quoi, il faut qu'on sache ce qui est arrivé.